On est rassemblés encore ce mercredi. On y était déjà mercredi dernier par rapport à la carte scolaire et aux fermetures de classe. Depuis, on a eu une journée de mobilisation des enseignants, une journée de mobilisation interprofessionnelle le 27, à laquelle les enseignants ont participé de façon assez importante parce que, évidemment, rien n'est réglé et on a besoin de personnel supplémentaire et d'autant plus quand viennent s'ajouter des mesures de fermeture de classe qui sont là annoncées pour la rentrée prochaine. Donc là, il y avait 30 fermetures de classe qui étaient prévues. Au dernier CTSD, la mobilisation a amené à ce qu'il y ait un recul sur 12 d'entre elles. Il en reste 18, ce qui est encore beaucoup trop. Et ce qui fait qu'on se retrouve encore aujourd'hui avec 6 délégations d'écoles qui demandent à être reçues pour défendre leur école contre les fermetures de classe. Il y en a qui sont prêts à se mobiliser le plus longtemps qu'il le faudra pour que le directeur académique revienne sur sa décision. Après, c'est évidemment une mobilisation qui concerne tout le monde, puisque c'est cette logique de continuer à réduire les moyens dans l'éducation nationale et qui est insupportable parce qu'on le voit bien, on a besoin, ce qu'on disait déjà la dernière fois, on a besoin de moyens supplémentaires, on a besoin de services publics forts. Et là, la seule réponse du gouvernement, la seule réponse du ministère, c'est de continuer à réduire la voilure, à faire des économies sur le dos des personnels, sur le dos des élèves et sur le dos du fonctionnement de l'école de la République. Voilà, donc on continue à se mobiliser et on ne lâchera pas. Et certains sont vraiment très remontés et sont prêts à aller le plus loin possible pour défendre leur classe. Donc on va continuer, nous, à les soutenir et à organiser la mobilisation avec les enseignants, les parents, les élus. Il y en a qui sont ici et donc ne rien lâcher pour essayer de faire reculer l'administration sur ses décisions. Ben voilà, donc ça veut dire que... Pas toujours, je ne suis pas d'accord là. Je disais ça avant, mais maintenant je suis plus d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que si vous allez prendre marcher le feu, ça vient de la vie de la vie.